Bonjour, je suis Léopold Sarteau, je suis vice-président de la Fédération pour la pêche en France et je vais vous expliquer comment reconnaître trois espèces de poissons, le goujon, le gardon et le retangle. Nous allons commencer par le goujon. Le goujon qui est un petit poisson qu'on trouve dans les rivières sur les fonds de sable et de gravier. Il a une forme allongée, en général il est assez petit, c'est-à-dire qu'il va faire aux environs de 15 cm au maximum. Il se reconnaît d'abord, premièrement, parce qu'il a des petits barbillons qui lui servent, en fait, à détecter sa nourriture sur les fonds de sable. Donc, comme je l'ai dit, très allongé. Et ses écailles se présentent un peu sous forme de losange. Sa couleur est différente selon le cours d'eau dans lequel il se trouve, c'est-à-dire selon le milieu. Il peut être dans les tons de gris ou dans les tons de brun. Le second, c'est sans doute le poisson le plus courant que nous ayons dans nos cours d'eau. Il s'agit tout simplement du gardon qui fait partie de la famille des poissons blancs. Donc, sa couleur va être plutôt blanche, mais parfois elle est un petit peu dorée. Il a une forme déjà allongée, mais néanmoins un petit peu rondouillarde, entre guillemets. Ses nageoires vont être légèrement rouges, plus ou moins prononcées, là aussi, selon le type de cours d'eau. Ses opercules sont légèrement dorés. Son œil est bien rouge, et c'est ce qui permet aussi de le distinguer d'autres espèces. Le retangle, lui, est souvent confondu avec le gardon. Mais néanmoins, premièrement, son corps est plus plat. Il est beaucoup plus haut, donc il est un petit peu plus rond, si on peut dire. Ses nageoires sont extrêmement rouges et il a une caractéristique qui ne trompe pas. Eh bien, il a une gueule qui est légèrement prognate, c'est-à-dire qui remonte en direction de la partie supérieure, tout simplement parce qu'il mange énormément d'insectes et lui n'a pas un œil aussi rouge que le gardon. Et, comme je l'ai déjà dit, ces nageoires sont, elles, très très rouges. Et maintenant, vous savez reconnaître ces trois espèces de poissons, le goujon, le gardon, le retangle, et vous ne confondrez plus du tout ces trois espèces.